Bonjour à tous, alors ici une magnifique montre connectée qui cumule les fonctionnalités comme on va le voir brièvement. Alors, un point important, elle est livrée avec un câble au format propriétaire, voilà, qui est celui-ci, donc il convient de ne pas l'égarer, tout simplement parce que vous voyez que d'un côté c'est de l'USB traditionnel, donc vous pourrez la recharger à partir de votre chargeur 5 volts de smartphone par exemple, et de l'autre côté vous avez un embout aimanté, ce qui évite d'avoir une ouverture au niveau de la montre et qui vient se connecter ici. Vous pouvez pas le connecter à l'envers, hein, sinon les aimants repousseront le connecteur, mais ça vous permet donc de ne pas avoir d'ouverture et de conserver l'étanchéité parfaite de la montre. Alors, au niveau des fonctionnalités, quand vous bougez le poignet, elle s'éclaire. Sinon, vous avez donc l'écran par défaut qui est celui-ci, que je trouve vraiment très sympa, mais que vous pouvez totalement paramétrer à votre goût, vous pouvez changer le fond, etc. Vous avez différents styles disponibles. Vous avez ici, en balayant vers le haut, accès aux différents suivis. Alors vous avez des tas de fonctionnalités, comme les activités pour différentes applications, la prise d'appel. Vous avez bien sûr les nombres de pulsations du cœur, mais vous avez des fonctions plus intéressantes comme le taux d'oxygène dans le sang, très intéressant en cette période de Covid. Vous avez également un tensiomètre qui vous permettra de prendre votre pression sanguine, diastolique et systolique, etc. Vous avez des tas de fonctionnalités autres, hein, comme la remote caméra, donc ça vous permet de déclencher les photos. La prise de photo sur votre téléphone, vous posez votre téléphone en visant un champ de vision quelconque et vous pouvez vous servir du bouton de la montre pour déclencher l'appareil. Donc ça vous permet de prendre des selfies à distance quand vous êtes tout un groupe, etc. Plein de fonctionnalités comme ça qui sont vraiment super. L'application Glorifit qui permet de synchroniser vos données avec le téléphone, avec le smartphone est gratuite, hein, disponible sous Android et je pense aussi sous iOS. Voilà un peu l'épaisseur de la montre. À l'arrière, les capteurs. Vraiment, je la trouve vraiment très très sympa. Alors, j'ai été agréablement surpris par l'autonomie. 7 jours sans problème. Voilà.